Anthony Pérez Albi Vélosport. Voilà, peut-être avancez-vous un peu plus, peut-être pour nos amis photographes. Anthony Pérez, voilà, qui va être récompensé après que Gaël et Mallory lui aient remis le bouquet de la victoire. Saint-Loup Laméré avec Monsieur Boquier ainsi que Monsieur Coiffard. Pourquoi cette tension ? La tension, c'est vrai que les écarts sont très faibles. L'étape déjà a été très dure, ça a roulé très vite et il a fallu, tactiquement ça n'a pas été facile, on s'est retrouvé dans des situations où il fallait prendre des décisions et c'est pas simple hein, dans ces cas-là. Bon, le résultat est excellent ce soir, on prend le maillot donc... Dès le départ j'avais Théier qui partait au kilomètre zéro donc heureusement avec mon équipe on a quand même bien manœuvré. Mais mentalement et physiquement, il faut être présent sur une course comme ça. Bon, du repos vite maintenant, un massage et repos. Ouais, voilà, on va aller prendre le maillot jaune et puis un massage, repos. Allez, avec Nicolas Crosby, l'un des deux Sévriens, animateur de cette étape. Nicolas, t'avais les jambes ? Les jambes, surtout la tête. C'est surtout la tête, comme je l'ai dit hier quand on en a parlé. Ouais. J'ai dit que je me réservais une étape, je pensais pas qu'elle allait être si tôt. Et j'ai essayé, quoi. Je me suis dit que je connaissais bien le début de course. Et donc j'ai tout tenté et la preuve, j'ai passé toute la journée devant. Et du coup, j'ai pris le titre, j'ai remporté la combativité. C'était pas le but, hein. Le but c'était de gagner. Ça, c'était juste une maigre récompense. Et je suis pas mécontent de ma journée, mais c'est dommage que je prends 10 minutes le premier jour, quoi. Alors pourquoi ne pas avoir été jusqu'au bout ? C'était difficile aujourd'hui ? Pas vouloir, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai pas pu. En étant franc. Et c'est vrai que j'ai passé vraiment une journée un peu dure. Parce que je crois que j'ai pas loupé beaucoup d'échappées avant d'arriver sur le circuit final. J'ai pas dû en louper une seule même. Et après, c'était très usant, on l'a bien vu. Hein, si le peloton s'est coupé en deux, c'est qu'il y en avait vraiment partout à cause de la chaleur. En fait, c'est pas qu'il y avait la chaleur, mais c'était très lourd. Un circuit assez vallonné dans l'ensemble, mais même c'est l'étape la plus dure. Et toujours du vent, et c'est ce qui fait aussi la différence. On a vu tes parents sur le bord de la route. Oui, il n'y a pas que les parents, il y a les supporters, on va dire les amis, les connaissances. Donc ça aussi, c'est une source de motivation. Et surtout que c'est sûrement un de mes derniers tours des Deux-Sèvres, malheureusement. Et c'est vrai que c'est motivant.